Salut tout le monde, c'est TerryTerryGaming99 de retour à force pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un défi. Merde, pas ça. Un défi classique que j'ai déjà commencé pour tester mon deck en défi. Donc, on va jouer avec ce deck-là. Non. Oui, c'est ça. Ce deck-là. Puis, voilà. Donc, avant tout, on va se faire un mini pack opening. Coffre à bois. Une tour à bombe, 9 flèches. 74 d'or. Un mini P.K. 9 gargouilles. Le coffre en or. 194 d'or. 3 Tesla. 4 flèches. 3 fournaises. Et 22 chevaliers. Voilà, donc on peut partir en défi classique avec ce deck, avec qui contient 3 légendaires, les gardes, et voilà. Donc, avant tout, je vais demander ce que je demande toujours, que je veux passer niveau 10, parce que de toute façon, je suis bientôt niveau 10, comme vous le voyez. Bah, pas vraiment bientôt, mais on est rendu à moitié, un peu plus que la moitié. Donc c'est parti, je vous fais pas plus attendre, donc comme on part sur un combat en arène 5 et on tombe contre Kingle. Du wow, il a vraiment pas entendu, hein? Mais c'est qui ce mec? C'est qui, sérieux? Mec, défends mon bûcheron, hein? Thank you, tu me laisses faire des dégâts. Merci, les gardes qui sont enragés. Mais le gars, what? Il dépense vraiment tout son élixir. Direct quand ça a commencé, il a mis une sorcière direct. Donc, nous. Je vais vous présenter un petit peu de stratégie à place. On va mettre notre golem derrière la tour. Ben, un petit peu à côté, en fait. On va pouvoir mettre des archers en arrière et le cimetière. Je crois qu'on va être pas mal. Voilà, cimetière. Oh, merde. Ah, c'est pas grave, je crois qu'on a le cimetière qui va faire le boulot. C'est très beau boulot. Donc là, on va mettre notre bûcheron et notre golem qui est encore en vie, là-bas. Voilà, ça c'est de la... J'ai mis ses gobelins. C'est parfait. Tous les esprits de feu. Hey, le golem qui fait mal quand même. Oh, on a fait mal à sa tour aussi. On va protéger notre bûcheron. Protection du bûcheron, c'est très important. En fait, non, pas du tout. Bon. Ok, on n'a pas fait masse de dégâts sur la sorcière, mais on va pouvoir défendre ça avec des petits archers. Bon, ben là, je trouve qu'on est... Ok, il pose une cabane. Je trouve qu'on est bien, hein? Et je sais pas pourquoi il a posé sa cabane de ce côté-là. Là, on va faire ça. Notre golem, s'il pouvait passer devant les archers. Merci. Je te déteste, donc je mets la bûche. Et là, on va partir sur le 3-0. On espère, en fait. 3-0, ce serait bon. Et non, on fera pas de 3. Oui, non, peut-être. Oui, 3-0. Boum, victoire. 3-0, c'est... Ah non. Oui, victoire 3-0, donc c'est parfait. Super combat. Non, pas du tout, on l'a vraiment défoncé. Mais bon, donc on est à 2-0. Un défi classique. Merci pour les esprits de feu. Le coffre de clan. Oh, 5 sur 10. Ok, c'est bon. Je préfère le petit pack opening du coffre de clan aussi. Donc, let's go. Comme avant une vidéo, je vais vous ouvrir le coffre de clan. Et puis... Parce que moi, je suis pas mal sûr qu'on va être à 10 sur 10. Donc, voilà. On n'a pas une très bonne main de départ. On a nos deux sorts, les gardes, les archers. Donc, on va le laisser commencer. On va défendre, on va attendre voir s'il met quelque chose d'autre. Barbore d'élite. Perfect. On a fait une bonne défense. On a fait une bonne défense. Non, on ne va pas mettre le cimetière, on va le garder pour notre golem. On veut mettre des esprits de feu. Ah, il joue bûcheron aussi. D'accord. Donc on va poser notre golem. Oh, puis nice. Le cochon, il est déjà plus enragé. On va mettre ça.
Oh, vite, la bûche. Yaaaaah! Boum, on fait des dégâts. Boum, 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 on fait beaucoup de dégâts. On va mettre sa tour à... on va voir ça maintenant. En fait, on l'a... Oh! Finaise. Bon, on a déjà un premier push qui a pas coûté beaucoup d'élixir et qui a bien marché. Voilà. Garde. On va éviter de prendre des dégâts. Ah, ben c'est parfait. On n'avait même pas besoin des esprits de feu. Bon, on va aller prendre sa tour au moins. Ah, merde. Mais ça sert à rien de défendre ça. Ta tour, elle va tomber de toute façon avec une bûche ou une boule de feu. Les archers, n'importe quoi. Donc, je vais poser poser un golem de l'autre côté. Il a déjà utilisé ses barbares d'élite, donc on n'a pas à avoir peur qu'il nous mette un gros push de l'autre côté. Mais arrête de pleurer! J'ai hâte qu'il n'y ait plus d'émoticons, fatigant. Puis là, il pleure encore. Wow! Oh! Jesus! Jesus! Bouya! C'est bon ça! On aime ça, la belle défense de la boule de feu sur l'ordre de gargouille. Oh, il a déjà récupéré ça. Go, 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 le cimetière, là. Bûche. Ah, non, on fera pas beaucoup de dégâts. Oui, on fait beaucoup de dégâts, en fait. On va pas faire tomber. Oui, ça tourne, parfait. J'aime ça. J'adore ça, même. Ça, c'était inutile. On va faire tomber sa tour. Merci beaucoup. L'archer, il a juste mis un petit coup, puis merci. Les esprits de feu, parfaite défense pour l'ordre de gargouille. Oh, un esprit de feu one-shot, en fait. Golem. Bon, ben, on a gagné. C'est sûr que victoire. Assuré. Parce que là, si on perd, là, c'est un lacu. Mais non, c'est victoire. On aurait pu faire le 3... Non, je crois pas qu'on aurait pu faire le 3-0. Donc, c'est parfait. Une autre victoire. Bon, ben, je trouve qu'on est quand même bien sur ce défi. On est à 7 minutes de vidéo. 3 victoires. Donc, je crois que ça va être déjà la fin de cette vidéo. Une petite vidéo courte où on va continuer le défi classique dans la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites un like. Si vous avez une question pour moi, un commentaire, merci. N'hésitez pas à me mettre dans la section des commentaires. Abonnez-vous pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Ciao!